Les focus à présent sur le porte-drapeau de l'équipe de France, le capitaine Kylian Mbappé, qui s'apprête à disputer sa première compétition internationale brassard au bras. Il s'est confié cette semaine, le néo-madrilène qui va débuter son deuxième Euro. Ses coéquipiers témoignent aussi, c'est la story de la semaine avec Fabien Mario. Une superstar devenu capitaine. C'est une étape, une nouvelle étape dans ma carrière. Avec un statut à assumer. C'est le meilleur joueur du monde. Il va tout faire pour pouvoir gagner ce tour. Et soulever un trophée pour son pays. Je pense que c'est quelque chose que chaque enfant rêve. Il le porte depuis plus d'un an désormais. Mais ce lundi, contre l'Autriche, Kylian Mbappé va revêtir son premier brassard en bleu dans un tournoi majeur. Être le capitaine de son pays, c'est quelque chose d'incroyable. Maintenant, il n'y a pas plus de pression, c'est une responsabilité, bien sûr, mais je vais essayer de faire honneur à ce brassard de capitaine. Une fierté pour un joueur qui a déjà disputé 2 Coupes du Monde et 1 Euro, mais jamais avec une telle responsabilité. Tu es le garant du groupe, tu dois essayer de faire en sorte que tout se passe bien dans le groupe. Ça va, ça va bien. Et donc ça change des autres compétitions où j'étais d'abord concentré sur moi-même, alors que là je dois d'abord penser aux autres et ensuite je penserai à ma performance. Un Mbappé altruiste face au Luxembourg, il est à la dernière passe sur 2 des 3 buts tricolores. Quitte même à monter au créneau pour faire taire les critiques visant certains de ses partenaires comme Benjamin Pavard. C'est quelqu'un avec qui les gens ont été trop durs, beaucoup trop durs. Il s'est fait extrêmement critiquer, souvent à tort. Ça me touche, c'est un grand joueur, un grand homme aussi, donc une grande personne. Kylian, c'est un leader dans l'âme, donc qu'il ait le brassard au bras ou pas, je pense que ça changera pour lui. Son avenir en club réglé, le néo-madrilène semble plus déterminé que jamais à guider son pays vers un nouveau titre, inspiré par d'autres avant lui. J'ai joué par exemple avec Sergio Ramos, avec Gianluigi Buffon, avec Lionel Messi, avec Neymar, qui étaient vraiment des leaders. Paul Pogba a été un leader avant aussi en équipe de France. On a eu notre ancien capitaine Hugo Lloris. Allez, allez. Et aujourd'hui, moi, je suis dans cette mission-là et je pense que je suis prêt. Prêt à succéder à un certain Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur étant le dernier à avoir soulevé l'Euro avec les Bleus en 2000. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup déjà. On a développé une relation très forte. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour lui. Je pense que c'est réciproque. C'est construit humainement de par les expériences qu'il a pu vivre. Il est capable de faire des choses qui sortent de la normalité, mais il s'est affirmé, puisqu'aujourd'hui, la grande différence aussi, c'est qu'il est capitaine de l'équipe de France. Un duo affamé de victoires pour compléter une armoire à trophées déjà bien garnie. C'est vrai que lui a eu la chance de tout gagner. Il lui reste que l'Euro comme entraîneur. Donc c'est sûr que je pense que c'est important pour lui aussi. Moi, en tant que joueur aussi, il ne me reste plus que l'Euro. Mais il faut déjà penser au premier match parce que le premier match est très important. Une entrée en lice pour capitaine Mbappé face à l'Autriche du sélectionneur Ralf Rangnick. Une très bonne équipe avec un entraîneur qui tactiquement sait toujours surprendre. On s'attend à un match très difficile. C'est très important dans une compétition de commencer par une victoire. Fédéré, rassemblé, sans jamais quitter son objectif des yeux, une vraie âme de leader. C'est quelqu'un qui est toujours souriant, qui a toujours bonne mine, qui est toujours de bonne humeur. Et voilà, on sait que peu importe ce qui peut lui arriver, le football, ça sortira pas de sa tête. Oh my God! Vice-champion du monde, les Bleus font partie des grands favoris au titre continental. Un statut, c'est que du papier. Le foot, c'est pas du papier. Donc être favori, c'est bien, comme je dis, mais gagner, c'est mieux. Gagner pour faire vibrer les Français un soir de fête nationale, jour de la finale à Berlin, le 14 juillet prochain. Et cette fois-ci, j'espère que si on va en finale, on va gagner. Bichène, quand on est un buteur qui plus est obsédé par ses statistiques, c'est une bonne chose d'être capitaine, de s'ouvrir aux autres? Je pense que un défenseur, position plus défensive, c'est plus adapté au rôle de capitaine. Mais je pense que la stratégie de Didier, c'est d'amener Kylian à penser plus collectif sur le terrain et en dehors du terrain, pour qu'il apporte encore plus à l'équipe de France. Allez, place à notre grand format à présent consacré aux coulisses de l'équipe de France, aux petits secrets, les Bleus. Kylian Mbappé est attendu au tournant, surtout en tant que capitaine de l'équipe de France. Alors, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, on va parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot.
Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est qu'on est parti. Alors, Kylian Mbappé, les amis. Kylian, les amis, il est attendu au tournant. Il est attendu au tournant. Surtout, surtout en étant capitaine de l'équipe de France. Kylian Mbappé, c'est lui qui doit porter l'équipe de France. Il doit porter l'équipe de France. Mais il y a un souci, l'équipe de France, il y a un chantier, il y a un chantier. Là où moi je crains le plus, c'est la défense. La défense, franchement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, en dehors de Saliba, le reste là, c'est très moyen, voire mauvais. Upamecano n'est pas bon, Ibrahima Konaté, il est moins bien. Bref, il y a vraiment une très grosse interrogation sur la chantier centrale. Pour que Kylian Mbappé soit bon, pour qu'il porte l'équipe de France, il faudrait un collectif. Il faudrait que les joueurs soient au niveau. Et lorsque, comme je l'ai dit, lorsque je regarde la défense, moi j'ai vraiment un doute. Je suis très sceptique. En dehors de Saliba, pour moi, qui est le meilleur défenseur des Bleus et de loin, le reste là, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Au milieu, le milieu, Griezmann, il est moins bien. Ce n'est pas le Antoine Griezmann qu'on a connu en janvier, février. C'est un Griezmann qui est vraiment dedans. Tu as N'Golo Kanté qu'on est parti déterrer en Arabie Saoudite parce que justement au milieu les Rabiot ne répondaient pas assez. Donc il y a aussi une vraie interrogation sur le milieu. En attaque, certes tu as Kylian, mais tu as également des joueurs qui doivent être au niveau. Je pense notamment à Colomani. Jusqu'à présent je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on appelait Colomani. Pourtant au PSG. Il jouait, il a très peu joué en deuxième partie de saison. Pourquoi on n'a pas appelé peut-être un mec comme Lacazette? Pourquoi on n'a pas appelé un mec comme Alexandre Lacazette? Moi, je trouve que sur le plan sportif, Lacazette mérite beaucoup mieux qu'un Colomani. Ousmane Dembélé, il va te faire du Ousmane Dembélé, c'est-à-dire il va percuter, mais pour marquer un but, pour faire la dernière passe ou l'avant-dernière passe, il est souvent très limité. Donc, pour que Kylian soit vraiment performant, il te faut un gros collectif tout autour. Est-ce que les joueurs seront capables? Est-ce que les joueurs vont élever leur niveau? Moi, franchement, j'ai vraiment un doute. J'ai vraiment un doute. Surtout que c'est le premier match. Et le premier match, généralement, c'est souvent un peu le rodage et tout. Le coach les cherche. Il essaie de trouver les automatismes. Ça ne sera pas évident. Ça ne sera pas évident. Mais les joueurs doivent vraiment se mettre au niveau si on veut voir un grand Kylian Mbappé dans la compétition. Kylian Mbappé lui-même doit se surpasser puisque, à mon avis, il joue très gros. À mon avis, il joue le ballon d'or. Oui, pour moi, Kylian joue le ballon d'or. Imaginez peut-être que Kylian Mbappé finit meilleur buteur de l'Euro avec peut-être 8 buts. Cumulé à ça, l'équipe de France remporte l'Euro. Vous pensez qu'il sera ballon d'or? Vous pensez vraiment qu'il sera ballon d'or? À mon avis, il sera ballon d'or. Il sera ballon d'or si l'équipe de France remporte l'Euro. Cumulé à ça, Kylian finit meilleur buteur. Il sera ballon d'or. Il sera ballon d'or. Donc, il joue très très gros. S'il veut espérer remporter le ballon d'or, il doit faire un très grand rôle, les amis. Et ça passe par de belles performances. Ça passe par aussi un beau collectif. Cela est aussi valable pour Cristiano Ronaldo. Et si Cristiano Ronaldo fait un très bel rôle, il sera vraiment un candidat très très sérieux pour le ballon d'or. Même chose pour Jude Bellingham, etc. Bref, pour que Kylian Mbappé fasse un très bel rôle, il faut à côté de lui des joueurs qui se mettent également au niveau. Puisque tu ne peux pas porter une équipe à toi seul. Il te faut vraiment un collectif autour de toi. Il faut des joueurs qui bougent pour toi. Il faut les joueurs qui sont capables de se sacrifier pour toi. Et pour cela, des garçons comme les Ousmane Dembélé doivent sérieusement hisser le niveau de jeu. Ousmane Dembélé, il doit sérieusement hisser son niveau. Puisque Ousmane, il a un gros problème de finition. Un gros problème de finition. Il doit travailler cela. Il doit travailler cela. Donc, Ousmane Dembélé doit se mettre au diapason pour bonifier Kylian Mbappé. Kylian ne pourra pas faire tout seul, les gars. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.